Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence sur le design graphique et la direction artistique. Alors je vais tenter de vous présenter un petit peu et de vous expliquer quel est le rôle du directeur artistique. C'est un métier qui a beaucoup de difficultés à s'expliquer parce qu'il est très très vaste, très large. D'ailleurs la conférence titre bien une diversité de métiers et de méthodes. Cela prouve bien en fait qu'il n'y a pas qu'un type de direction artistique, il y en a beaucoup en fonction que l'on soit dans une grande agence ou que l'on soit indépendant comme moi, on va peut-être avoir des différences de méthode et des différences de travail. Donc c'est ce que l'on va voir un petit peu ensemble et que je vais tenter donc de vous expliquer. Et par avance, je m'excuse auprès des directeurs artistiques, je vais peut-être un petit peu vulgariser notre métier et le simplifier. Alors je remercie infiniment le CV Bordeaux de m'avoir convié à faire cette conférence. Je les remercie également d'avoir écrit une petite présentation très très élogieuse à mon égard. C'est très agréable à lire. Alors je me présenterai tout à l'heure, je présenterai mon travail dans un premier temps. Ensuite, je vais vous faire un petit topo dans un deuxième temps pour vous expliquer vraiment concrètement ce qu'est le design graphique et la DA. Et pour finir, donc, je vous présenterai un petit projet fictif de manière à vous faire comprendre un peu les mécanismes que l'on peut rencontrer dans notre métier et qui en font justement un métier extrêmement riche et extrêmement passionnant. Alors, je m'appelle Pascal Bonnard, je suis directeur artistique depuis environ 17 ans maintenant, donc j'ai commencé en 2003. Auparavant, j'étais graphiste indépendant, donc je suis devenu tout de suite graphiste indépendant après ma sortie d'école, donc j'ai été formé aux Beaux-Arts académiques, donc avec beaucoup de dessins et beaucoup de pratiques artistiques, et je me suis tout de suite spécialisé dans les arts graphiques à ma sortie d'école. J'ai commencé mon métier dans le milieu de la musique, donc c'est-à-dire que je faisais moi-même de la musique pendant une vingtaine d'années. Et ma carrière de graphiste a commencé en faisant des t-shirts pour les groupes dans lesquels je jouais et puis pour des groupes amis. Ensuite, j'ai fait des affiches pour ensuite continuer à faire des pochettes de disques, des dossiers de presse, etc., etc. Ce qui m'a emmené, lorsque je suis arrivé à Bordeaux, à travailler avec une régie publicitaire qui s'occupait justement de promouvoir, par le biais de labels musicaux, toutes les sorties d'albums, toutes les tournées des artistes, et de les divulguer en fait dans la presse, et dans la presse écrite, principalement presse imprimée, de façon à pouvoir communiquer sur l'actualité des artistes. Ensuite, je suis allé rejoindre le groupe FNAC pour lequel j'ai travaillé pendant 12 ans. Alors là, c'est pareil, c'était très 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 riche et très très varié comme travail puisque je faisais parfois de la promotion pour des artistes locaux puisque la FNAC travaillait à cette époque-là énormément avec les artistes et les groupes locaux. Je travaillais également avec les auteurs. On faisait par exemple des thématiques sur le polar autour du monde. Donc c'était des travaux qui consistaient à habiller des parties du magasin avec des livres, avec des mises en scène, etc. Je faisais également des publicités pour les lancements de produits. Je faisais également des publicités pour des produits techniques. Donc c'était très très vaste et surtout ce qui était intéressant, c'est que ça touchait énormément de supports. Du très très grand format, du format digital, du format papier plus traditionnel. Et c'est un petit peu là que j'ai pris conscience que le métier de graphiste pouvait s'enrichir de compétences complémentaires de façon à avoir une vision beaucoup plus large. Donc, à la fin de ma collaboration avec la FNAC, c'est là où j'ai réellement commencé à devenir ce qu'on appelle un vrai directeur artistique, c'est-à-dire à prendre en main des projets globaux qui allaient prendre de la musique, par exemple, prendre du son, de l'animation, du digital, également de l'imprimerie. Alors, si je vous parle de musique et de son, c'est que je travaille sous le pseudonyme de l'oreille graphique, en priorité parce que pour être un bon créatif, il faut avoir une bonne écoute, mais également cela fait référence à mon activité musicale. Donc, voilà pour une présentation très sommaire. Pour terminer, depuis 3 ans environ, je travaille pour des jeux vidéo,
d'un genre un petit peu particulier, puisqu'il s'agit de serious game et de jeux à visée pédagogique et destinés à un public universitaire. Donc, ça demande la même rigueur de travail que pour un jeu vidéo normal. Il faut que ce soit attrayant, il faut qu'il y ait une bonne ambiance graphique, il faut qu'il y ait une bonne bande son. Donc, c'est ce travail-là que je fais depuis 3 ans. J'y prends énormément de plaisir. Et j'ai également, nous avons l'équipe du premier jeu pour lequel j'ai travaillé, a reçu un prix national l'année dernière. Donc, c'est aussi une petite consécration et quelque chose de très très agréable. Voilà pour la présentation de l'oreille graphique et de mon activité et de mon parcours dans le métier. Nous allons maintenant parler de la direction artistique et plutôt du design graphique. Je vais mettre un petit peu les deux dans le même panier et je vais vous expliquer pour ça une petite différence, histoire que les choses commencent à être un petit peu plus claires dans votre esprit. Pour comprendre le design graphique, il faut le comparer, enfin, à mon sens, hein, après c'est discutable, mais il faut le comparer à une pratique artistique. Alors, je connais bien le monde de l'art, hein, vu que j'ai été formé aux Beaux-Arts. Vous avez d'un côté l'artiste, et vous avez de l'autre côté le designer. En fait, l'artiste et le designer vont avoir, à mon sens, 3 grandes différences, surtout du côté du design graphique. La première différence qu'il va y avoir entre le monde de l'art et le monde du design graphique, c'est que dans le cas d'un artiste, s'il se réveille le matin, par exemple, il a une idée et il se dit « je vais travailler, par exemple, sur la diffraction de la lumière ». Donc il va réfléchir, il va faire des croquis, il va faire des dessins, il va utiliser la couleur, il va utiliser des compositions d'images, il va faire de la photo, de la vidéo, une installation. Mais c'est lui qui va choisir son sujet. C'est lui qui va être mettre à bord, il va décider et il applique. Dans le cadre du design graphique, la première différence, elle se situe ici. C'est-à-dire que le designer graphique, il ne va pas choisir son métier. C'est lui qui va être choisi en fonction de ses compétences, de son style, de sa notoriété, par exemple. Et donc, ça va être un client, ça va être une marque, une personne physique qui va le contacter et qui va lui recueillir tout un tas d'instructions que l'on va nommer brief, dans lequel il va donner au designer graphique tout un tas de contraintes qui vont être liées par exemple à la marque, qui vont être liées au nom de la marque, à la personne, etc. Et le designer graphique va devoir composer un message graphique, un message visuel en fonction de ces contraintes. Donc ça, c'est la première contrainte qui va être assez importante à mon sens. On va monter en grade petit à petit. La deuxième différence avec le monde de l'art, c'est que l'artiste, toujours maître à bord, décide quand est-ce qu'il va terminer le travail. C'est-à-dire, il va commencer à faire, dans le cadre de la diffraction de la lumière, par exemple, il va faire une série de photos, une série de vidéos. Quand il est satisfait du travail, il dit « super, c'est fini, je fais mon accrochage, je fais mon exposition, j'ai terminé mon travail ». Dans le cadre du design graphique, ça ne se passe pas trop de la même façon. Dans le cadre du design, eh bien, c'est le client et l'échange avec le client qui va permettre de jalonner le parcours de ce qu'on appelle des étapes de validation. Ensuite, on va échanger, on va parler, on va faire des croquis, comme il y a sur cette table, et on va, en échangeant, améliorer certaines choses, changer certaines choses, affiner certaines choses, de manière à ce que, avec ce jeu de face à face, le projet puisse petit à petit s'acheminer vers une validation finale. C'est donc le client, c'est-à-dire le commanditaire de l'action, qui va valider finalement, en dernier, le travail de design qui va être fait, et non pas, comme dans le cas de l'artiste, lui-même qui va décider quand ce sera terminé. Donc ça, au départ, ça peut paraître un petit peu intimidant et ça peut paraître un peu restrictif, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Si vous avez la chance de pouvoir travailler avec des clients ouverts d'esprit, prêts à faire des expériences, etc., ça peut devenir au contraire extrêmement enrichissant, puisque vous avez beaucoup d'échanges et vous avez une diversité de points de vue qui va vous donner peut-être des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc ça, c'est la deuxième différence. La troisième différence, qui est à mon sens la plus importante avec le monde de l'art et qui va expliquer un petit peu
la multiplicité de casquettes que je peux avoir dans la petite présentation que le CV m'a faite, parce qu'on peut se demander comment ça se fait qu'on touche à tout ça. Ben, c'est dans cette troisième différence qu'on va la trouver. Et cette troisième différence, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Alors, je reprends mon exemple entre l'artiste et le designer graphique. L'artiste, une fois qu'il a fini son travail, par exemple, qu'il a fini sa résidence d'artiste, qu'il a fini de faire son travail de série, il décide de faire une exposition, il place ses œuvres dans l'exposition, s'il a bien travaillé, il en vend beaucoup, puisque c'est son travail, et tout le monde est content, il peut peut-être faire une petite vidéo qu'il va placer sur les réseaux sociaux, mais ça s'arrête là. Son travail, en tout cas, s'arrête là. Pour le graphiste, c'est pas la même chose. Pour le designer, c'est pas la même chose. Le designer graphique, il va partager beaucoup de points communs avec l'artiste. Il va devoir travailler de la même façon avec beaucoup de sensibilité, on va lui demander d'être créatif, il va devoir maîtriser la couleur, il va devoir maîtriser la composition, la typographie, les contrastes, la lecture, la hiérarchie, tout un tas de choses. Mais surtout, une fois que ce travail-là va être terminé, eh ben, un autre travail va commencer. Et c'est plus là le travail du directeur artistique qui va arriver, c'est-à-dire que le DA et le designer graphique vont être garants, vont être responsables de la possibilité de pouvoir dupliquer et diffuser leur travail sur tout un tas de supports différents. Ces supports peuvent être des supports de type artisanaux, comme par exemple la sérigraphie, pour faire des tirages limités, pour faire des t-shirts, pour faire des affiches. Ça peut être de la presse offset, donc de la presse de labeur, pour faire des bouquins, pour faire des catalogues, pour faire des affiches, des flyers. Ça peut être de la presse beaucoup plus spécialisée, comme par exemple de la presse avec des dorures à chaud, avec des gaufrages, avec des papiers particuliers, ou du packaging. Ça peut être des supports digitaux, ça peut être par exemple des sites internet, ça peut être des animations, ça peut être du motion design. Donc tout ça, le designer donc, qui va devenir de ce fait directeur artistique, bah, va devoir chapeauter la duplication de son travail. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on prend un petit peu les graphistes pour des hurluberlus, pour des artistes, etc. Alors il y a un petit peu de ça. On a une part de nous-mêmes, on est artiste, mais on est aussi technicien. Et c'est cette duplicité des deux métiers qui fait qu'en fait la direction artistique est très très difficile à expliquer, mais c'est un métier qui est absolument passionnant et dans lequel on ne s'ennuie jamais. Pour résumer, c'est un métier un peu schizophrénique dans le sens où on va nous demander d'être extrêmement créatif, d'avoir beaucoup d'idées, de savoir gérer des messages graphiques très forts, très puissants, impactants, émotionnels. Et on va nous demander à côté d'avoir une rigueur de travail, une précision de travail, de manière à ce que l'on puisse vraiment s'adapter à tous les supports existants sur le marché de la communication. En fait, en gros, un directeur artistique, qu'est-ce que c'est ? C'est un graphiste qui est capable de créer un message graphique, une illustration, une affiche, une typographie, et qui est capable de gérer les supports de communication qui vont suivre en fonction des besoins d'une marque ou d'une entreprise. Ça, c'est pour vraiment la grande parenthèse, la grande explication de ce métier. C'est une des raisons pour lesquelles il est très très difficile à apprendre, parce que dans un premier temps, il faut apprendre à gérer et à maîtriser tout le vocabulaire graphique pur, le dessin. C'est pour ça que, par exemple, à l'ECV, on est très, très, très axé sur l'apprentissage du dessin, puisque ça permet vraiment de développer une qualité de travail particulière. On va apprendre donc, à gérer toute la problématique de la couleur, de la hiérarchie d'information, de la lisibilité, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va y avoir toute cette partie technique à apprendre. Alors, nous ne sommes pas des techniciens parfaits, mais il est important d'avoir des notions dans chaque média que l'on va travailler, de manière à éviter d'être coincé ou de ne pas pouvoir diffuser un travail, puisque cela fait partie, évidemment, de notre responsabilité.
Si je ne vous ai pas perdu jusqu'à maintenant et que vous êtes encore là, je vais, par le biais d'un projet fictif, vous expliquer un petit peu le cheminement de travail que l'on peut rencontrer lorsqu'on est en charge d'une mission de direction artistique. Alors, ce projet fictif, je l'ai fait tout à l'heure, hein, vous m'excuserez, c'est un petit peu gribouillé. Voilà, je vous montre mes outils de travail. Stylo Pro Marqueur, voilà, deux couleurs. On va imaginer justement que un artiste, un graffeur, quelqu'un qui va faire de l'art urbain, qui va faire des fresques, etc., me contacte et me demande de lui faire une identité visuelle parce qu'il a envie de monter une marque, de créer, pardon, excusez-moi, une marque. Et avec cette marque, il va dans un premier temps fabriquer des t-shirts sur lequel il va imprimer sa marque, puisqu'il a une petite notoriété d'artiste, il aimerait en profiter. Il va imprimer également des planches, des skates, et il va imprimer des sneakers, donc des baskets, à l'effigie de sa marque. Le premier travail consiste à lui trouver un nom, à lui trouver une typographie, à lui trouver un petit signe graphique qui va lui permettre d'être reconnu et qui va permettre d'identifier cette marque. Alors, après plusieurs échanges, nous sommes tombés d'accord tous les deux pour le nom de Overbliss. Il a validé, bon, tout ça est fictif, hein, à nouveau je vous le répète, il a validé la typographie, il a validé la forme du monogramme, donc le monogramme c'est deux lettres qui constituent les initiales du nom, la forme en losange de son logo et la couleur orange. Ça, c'est le premier jalon de l'identité visuelle de la marque que j'ai créée pour lui. Ensuite, cette marque, bah, ils vont en avoir besoin pour ses réseaux sociaux, donc on va la mettre, on va lui faire un petit bandeau pour son groupe Facebook, on va lui faire des petites icônes de profil pour son compte Instagram, et ensuite, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus pointu. Et c'est là où le travail va commencer, le travail de direction artistique et le travail de déclinaison va commencer. Dans un premier temps, une fois qu'il a fait son travail sur les réseaux sociaux, il va avoir besoin d'une petite carte de visite lorsqu'il va aller se présenter et lorsqu'il va aller commencer à faire le travail de promotion de sa marque. Ensuite, on va avoir besoin de faire des prototypes, c'est-à-dire de commencer à réfléchir. Ok, on fait des t-shirts, on fait des skates, on fait des baskets, mais il faut quand même réfléchir à comment on va les créer, ces objets. Eh bien, on va commencer à créer des petits croquis de ce genre, et on va commencer à réfléchir à voir comment intégrer l'identité qui a été créée pour sa marque sur des objets successifs. Vous avez des t-shirts, là on va avoir la planche de skate, avec l'intégration du logo au centre, et ensuite, de façon plus discrète, sur des baskets, deux petits losanges qui peuvent représenter les deux lettres O et G de sa marque. Une fois qu'on a validé ces prototypes du produit, il faut réfléchir à l'emballage. Alors on va imaginer que c'est quelqu'un qui est assez sensible à la qualité environnementale, etc., qui ne veut pas suremballer, donc on va commencer à réfléchir à du carton brut, par exemple, à essayer de voir comment faire pour intégrer des couleurs particulières sur ces cartons, on arrive à nouveau dans un nouveau type de travail. On passe du produit au packaging, à la boîte. Donc on va travailler de façon éclatée, on va avoir des boîtes démontées qu'on va assembler. Alors là, c'est vraiment de l'artisanat, hein. On coupe, on découpe, on colle, on fait des montages de boîtes et on arrive, là, une fois de plus, hein, c'est vraiment du croquis, on arrive à créer des boîtes de cette façon-là en disant, toujours en échangeant, voilà, est-ce que ce type de modèle-là vous convient? Oui, c'est parfait. On a également des petits sacs en papier craft pour les t-shirts. Et on arrive à ce stade-là, à toute la partie produit qui est terminée, qui est complète et qui est validée par un tampon qu'on appelle BAT, bon à tirer. C'est-à-dire, on peut envoyer en fabrication, les objets et les produits. Donc là, il faut être certain que tout puisse s'imprimer correctement. Là, c'est encore une autre problématique qu'on n'aborde pas. Une fois qu'on a fait ces produits, ben maintenant, il faut commencer à les vendre. Donc, ben,
on nous contacte, on nous dit maintenant il faut passer à l'étape e-shop, e-commerce. Donc on va créer ce qu'on appelle un petit wireframe et on va fabriquer donc une maquette de site internet. Donc on va reprendre les codes du logo ici, on va faire une petite accroche, voilà, glisse sculpture, on va faire un travail de photographie avec des personnes qui utilisent les produits de la marque, le skate, les baskets, le t-shirt et pourquoi pas une casquette avec un slogan, pour ensuite voilà, descendre dans le bas du site et trouver les produits de la marque. Encore à ce stade-là, on est sur un autre type de support, puisqu'on est sur un support digital, un support qui va être programmé. Il faut donc qu'on soit certain qu'une fois que notre travail graphique a été validé, ben, qu'il puisse passer au stade du développement et qu'il puisse être fabriqué sans erreur. On imagine que à terme d'une année, par exemple, complète, les choses se passent bien, la marque prospère, il y a beaucoup de ventes de t-shirts, de baskets, de skate, etc., etc. Un éditeur décide de faire un livre, par exemple, un livre d'artiste qui va retracer l'histoire un petit peu de cette marque qui, rappelons-le, est partie d'un artiste graffeur et qui a fabriqué petit à petit une espèce d'icône de la street culture et du street art. Donc on va, bah, pareil, repartir sur un nouveau type de document qui va être un bouquin. Alors dans le milieu de l'art, le livre reste encore quelque chose de très 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 apprécié et qui demande un travail très pointu, très fin, avec beaucoup de subtilité. Donc on va partir sur une maquette de bouquin, et on va bien évidemment avoir à fabriquer toutes les pages à l'intérieur du livre, avec des choix de typographie, des choix de photos. On va imaginer des photos par exemple de street art graph qu'a fait l'artiste. On va réfléchir à un choix de typo, on va faire un découpage de pages, on va faire des chapitres, etc., etc., etc. Gros travail, mais qui reste encore dans la continuité de celui de designer graphique. Une fois qu'on a fini le bouquin, l'éditeur se dit « Tiens, ce serait pas mal si, pour fêter la sortie du bouquin, si on faisait une petite exposition avec un live, par exemple, de l'artiste qui viendrait faire une grande fresque dans la salle d'exposition. On en profiterait pour créer un petit événement. » Et avec cet événement, on pourrait fêter le lancement du bouquin. Donc là encore, nouvelle mission pour le directeur artistique qui va prendre par exemple un nouveau format, une petite vidéo on va dire sur un média comme TikTok par exemple, et on va créer une petite animation du logo qui va tourner, qui va clignoter et qui va faire office de carton d'invitation digital ou numérique pour inviter toutes les personnes qui connaissent la marque ou d'autres à venir se rendre à l'exposition pour apprécier le live et pour apprécier donc la sortie du bouquin d'Overglass. Une fois qu'on en arrive à ce stade-là, qu'on a fait le carton d'invitation numérique avec l'animation, il faut créer du son, une musique pour accompagner l'animation et pour rendre le message plus entraînant. Et on va finir par la mise en forme de la salle d'exposition, c'est-à-dire tout l'habillage de la vitrine, l'annonce de l'exposition et ce que l'on va appeler toute la signalétique qu'il va y avoir à l'intérieur de la salle d'exposition. Ça peut évidemment se terminer par un petit récap de la soirée avec une vidéo, avec une petite animation, pourquoi pas, et une publication sur le site de la marque. Ça, c'est une petite partie de notre métier, de notre quotidien. Bien évidemment, vous pouvez avoir affaire à des métiers, à des projets beaucoup plus complexes, qui peuvent aller encore plus loin, ou vous pouvez avoir affaire à des projets beaucoup plus simples, qui restent sur la carte de visite, sur le flyer, sur l'affiche, sur le bouquin. Là, j'espère qu'avec ce petit projet fictif, vous avez bien, ou en tout cas mieux compris, quel était notre métier et comment on procédait pour y arriver. Donc pour résumer, la direction artistique et le design graphique, c'est un métier qui est absolument, je le répète, passionnant parce qu'il est complètement immergé dans l'innovation technologique
À chaque fois que vous avez un nouveau support qui arrive, bien vous, vous devez vous poser la question de savoir comment intégrer ce support dans votre processus créatif. Et c'est un métier où on ne s'ennuie absolument jamais. Je peux en témoigner après plusieurs vingtaines d'années dans ce métier. Voilà pour cette courte conférence. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. J'espère également que ce court extrait de ce qu'est la vie d'un directeur artistique vous aidera à mieux comprendre notre métier. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi, matinée, journée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt et faites un bon choix dans votre cursus scolaire. Au revoir.